On s'en va en l'air et on ouvre grand les yeux. Musique maestro. Pas mal cette vie, n'est-ce pas? Ma grand-mère me disait toujours, si on a des ondes, c'est pour permettre à la pensée de changer de direction. Et ici, ça tourne tout seul. Regardez-moi ce parc avec tous ces hôtels. Quand on pense qu'ici, il y a 30 ans, il y avait une grande plaine balayée par les vents. Autant dire que les vacanciers qui passaient sur l'autoroute filaient vers les plages sans s'arrêter. Vacances en Vienne, vacances sereines, vacances ailleurs, vacances meilleures. C'était un peu ça. Sauf qu'un jour, tout a changé. Dans les années 80, René Monnery décide de prendre le destin de son département en main. Il imagine un gros coup pour relancer sa terre natale. Un parc d'attractions axé sur les technologies du futur. Le Futuroscope. Eh oui, l'homme est plutôt du genre à regarder l'avenir quand d'autres viennent tout juste de comprendre le présent. En 1985, décollage vers le Japon avec toute son équipe. Direction l'expo universelle de Tsukuba. Et là, c'est l'âge. Du coup, plutôt que les sushis, il préfère ramener du pays du soleil levant un écran de 600 mètres carrés avec un système pour projeter un film de 30 mètres de haut. Et pour abriter ça, le Kinemax sort de terre. Le pavillon en forme de cristal, à côté du lac. Le premier parc d'attractions en France est né. Ta-ta-ta-tan ! Le 31 mai 1987, le Futuroscope ouvre ses portes. Une foule impatiente se presse derrière les grilles du parc. Plus de chambres. Et puis l'an 2000 sonne, et là, patatras. On se réveille en se disant le futur, il n'est pas là. Quand est-ce qu'on va conduire des voitures volantes en tenue d'astronaute? Et du coup, on est passé du futur au présent, et on est déçu. Alors le futur, on ne veut plus y voir. On préfère aller visiter des châteaux pour savoir d'où on vient, plutôt que de savoir où on va. Et le Futuroscope en souffre un peu. Action, réaction. Une nouvelle équipe est placée à la tête du Futuroscope et avec elle, le parc change de cap. Les grandes images, on en garde. Mais en plus, on veut des expériences plus fun, des attractions pour rigoler et vivre des choses nouvelles. Et là, souvenez-vous, le Futuroscope a été inspiré par un voyage à Tsukuba. Et le futur dans tout ça? Eh bien, comme on ne peut pas le prédire, il y a des créatifs qui ont trouvé la solution. Le futur, ça s'imagine. Oui, et comme il y a des milliards de façons de l'imaginer, et bien au Futuroscope, on s'inspire des plus grands rêves de l'homme, parce que ce sont eux qui feront le monde de demain. Bon, maintenant, il est temps de redescendre sur Terre, les amis. Vous devez avoir encore plein d'attractions à découvrir. Très bonne visite à tous. C'est un peu plus de temps.
Allez, on va.